Bonjour, je suis Juliette Thiberguien, je suis responsable de production au sein de l'usine de production du groupe Diatex. Diatex est une entreprise de production de tissus techniques pour les marchés aéronautiques, spatial, filtration, tissus techniques pour divers marchés, pour les matériaux composites notamment ou l'événementiel. Nos clients principaux sont des clients pour les marchés aéronautiques comme Airbus et Boeing. Ce sont des clients qui ont des exigences très importantes en termes de niveau de qualité. Nous devons leur livrer des tissus zéro défaut. Alors, nos tissus n'ont pas vocation de se retrouver dans l'avion. Leur objectif, c'est de mettre en forme les matériaux composites qui vont composer une pièce avionnable, une pièce d'avion. Et donc, l'objectif principal de ces tissus, ces toiles d'arrachage, c'est de remplacer les rivets pour permettre de coller différentes pièces ensemble. Les défauts principaux que nous traquons dans ces tissus, ce sont les contaminations extérieures, comme les taches de graisse, les fibres étrangères, les particules et les insectes. Non. Non, toujours pas. Non, on ne devient pas maniaque en regardant les défauts, parce que c'est la caméra qui cherche les défauts, justement, ce n'est pas nous. Alors, les exigences de nos clients sont telles que l'œil humain ne permet pas de déceler des particules inférieures au millimètre. Ce que nos clients nous demandent de voir, c'est pourquoi nous avons intégré des caméras de visite directement sur nos tissus. Ça fait partie des nouvelles technologies qui nous permettent d'améliorer notre qualité au quotidien. Toutes ces données collectées vont nous permettre, dans un premier temps, de régler les problèmes qualité directement sur le métier. Et dans un second temps, ces données vont être analysées pour réussir à comprendre la source du défaut. Si le défaut va se répéter plusieurs fois, nous allons pouvoir avoir une action en amont avant que le problème arrive. L'objectif à terme, c'est de pouvoir anticiper tous les problèmes qualité que nous pouvons avoir en décelant à partir d'un premier défaut une problématique qui pourrait s'empirer. L'intelligence artificielle va déceler le défaut, va proposer une aide à la décision, différentes actions pour supprimer le défaut ou du moins améliorer la qualité du tissu, et l'opérateur va réaliser l'action proposée par la caméra et ainsi constater des améliorations.